c'est pas plaisir chez me. Une balle de festival 4 chez me. Festival 4 chez me. Festival 4 chez me. Papa, c'est pas plaisir chez me. Une balle de festival 4 chez me. Papa, c'est pas plaisir chez me. Une balle de festival 4 chez me. Festival 4 chez me. Festival 4 chez me. Papa, c'est pas plaisir chez me. Une balle de festival 4 chez me. Papa, c'est pas plaisir chez me. Une balle de festival 4 chez me. Festival 4 chez me. Festival 4 chez me. Papa, c'est pas plaisir chez me. Une balle de festival 4 chez me. Groupé ensemble de pièces scout, plusieurs pièces, parce que c'est pas une seule pièce qui a un enchaînement, plusieurs actes, une après l'autre, et qui met en valeur plusieurs auteurs tout. Malheureusement, c'est pas deux auteurs haïtiens, c'est plus deux auteurs étrangers. Heureusement tout. Oui, heureusement tout. Mettez en scène, par exemple, c'est pour un haïtien, c'est Philippe Robert, son français. Nous te font expérience stage avec monsieur, que spectacle a pas de monté. Monsieur retourne encore et nous venons remonter le spectacle là. Normalement, c'est sujet commun de la vie qui lié sur toute bagarre, réalité patron avec mon qui vient de travail, et chien qui a traversé la rue, qui a parlé entre eux, mon qui a demandé, pourquoi pas, explosion. C'est le fait d'actualité, de la conjoncture qui est toujours actuelle. Et son type de spectacle tout, qui parle des grands moyens en dehors de lumière, projecteur. Comme ça, tout le monde qui déplace qui vient dans le spectacle, tout, c'est des acteurs tout. Parce que nous, réellement, nous sommes 5, mais 4 et 6e acteur, c'était le monde qui était déplacé. Nous-mêmes, journalistes et centre culte et téléghetto qui avaient nous là, nous sommes acteurs tout ensemble avec nous. Par contre, c'est une dimension ça, aspect ça, intégration nous-mêmes en tant qu'acteurs. Mais en tant que des comédiens haïtiens, comment nous faire pour nous arriver à adapter nous, arriver à mettre. Pour mettre nous dans la peau des séries de, comment dire, des personnages qui, j'aime qu'à dire, des personnages étrangers, parce que j'en ai dit, yes, c'est des metteurs en scène étrangers qui écrivent. Donc, comment nous arrivons à faire ça pour nous mettre nous dans la peau? En tant qu'haïtien, comment nous arrivons à mettre nous dans la peau? Moun ça, au personnage ça, au créé. Bon, j'en ai posé le texte ça, au traité des actualités mondiales. Si je suis dit, nous voyons qu'à travers le texte, même ça que nous avons vu ici, c'est eux-mêmes qui vivent partout dans le monde, puisque le texte fait écho à la réalité par nous. Du coup, nous reconnaissons dans le texte et ce n'est pas trop difficile. Mais si nous faisons une petite observation, c'est tellement vrai que sur l'explosion dans la bande de Gaza, c'est tellement vrai. Comment nous faisons pour nous arriver à renier avec autant de réalité? Vous avez dit dans la première question que nous sommes des comédiens haïtiens, même vous avez dit que nous sommes des comédiens tout court. Okay. Donc, travailler en comédien, c'est mettre dans la peau un personnage, quel que soit le personnage là. Donc, c'est le premier travail, nous, ça. C'est ça qui passe en Israël, mais nous connaissons tout des fois, bien que ce n'est pas explosion nous gagnons, mais c'est parfois des cartouches, si nous prenons une zone ghetto qui tout le temps gagne des tirs, etc. Donc c'est presque même bagaille, nous vivions avec des autres thèmes. Il y aurait l'explosion dans Gaza, nous, si nous ne pouvons pas aller très loin, nous avons gagné Bagdad tout en 2004. Nous avons pris le même thème. Yo. Qui t'a fait écho avec la réalité par nous. Je vais présenter tout et puis oui. Un petit message pour suite et festival là. Bon, moi c'est France Medley Guillou, comédienne, aspirant metteur en scène en devenir. Et puis, m'a dit tout comédien, tout metteur en scène, courage. C'est un travail pas facile, mais très encourageant de pour elle. Donc, courage. Et je suis très sûr que arrivant un moment, or a fait éclore et n'a privé contribuer à développement paysan. Je m'appelle Philippe Robert, je suis metteur en scène, comédien de théâtre, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant les séances de répétition?
difficultés, elles sont nombreuses parce que les textes sont tous différents, ils sont tous d'auteurs différents, ils racontent des histoires différentes, donc les comédiens devaient s'approprier ces différentes écritures. Voilà. La deuxième difficulté, c'est le fait de jouer en cercle. Et comme on doit continuer à faire du théâtre, même s'il y en a moins, à cause du séisme, comme tout le monde le sait, eh bien, l'idée de travailler en cercle, l'idée de faire du théâtre qui puisse être itinérant, se balader dans des cours d'école, dans les villages, etc. Voilà, on a tenté ici de montrer. Par contre, effectivement, il faut jouer pour tout le monde. Ça veut dire jouer à gauche, jouer à droite, jouer derrière, jouer devant. Ça veut dire que la mise en scène doit être assez souple, assez fluide pour que tout le monde en profite et que tout le monde entende. Voilà. Ça n'a pas été plutôt difficile d'adapter des textes étrangers, de faire jouer des textes étrangers par des comédiens? Alors, ils n'ont pas été adaptés, ils ont été pris tels quels. J'ai fait quelques petites coupures de textes. Mais je savais que les sujets, même s'ils étaient d'origine étrangère, il y avait des résonances. Et voilà, on est capable, on est tous humains, donc on est tous capables de comprendre des situations humaines qui, hélas, se retrouvent partout, notamment des abus de pouvoir, enfin tout ce que, voilà, on peut dénoncer dans l'humanité, voilà. D'accord. Encore, si vous aviez à donner un conseil à d'autres metteurs en scène, comme vous qui auriez l'intention de venir en Haïti pour faire du théâtre avec des gens Alors, j'ai plutôt envie de m'adresser aux artistes locaux. Et si c'est des artistes étrangers qui viennent, le but du jeu est de s'intéresser au moins à ce qui se passe en Haïti. Je crois que c'est intéressant avant tout d'apprendre à connaître un pays pour ne pas arriver avec un projet qui tombe comme une soucoupe volante sur un pays. Voilà. Donc déjà bien connaître, c'est pour ça que moi j'ai eu la chance de tester finalement ces textes avec les comédiens qui étaient pendant le stage il y a 2 ans, après le séisme. Et là j'ai bien vu que ces textes-là répondaient à une demande, à une envie des comédiens de présenter ce genre de texte. Papa, c'est pas plaisir chez moi. Une balle de festival 4 chez moi. Festival 4 chez moi. Festival 4 chez moi. Papa, c'est pas plaisir chez moi. Une balle de festival 4 chez moi.